C'est avant tout le confort et la décoration raffinée des chambres qui fait le succès de la maison d'hôte au fond de la cour. Des meubles auvergnats des 18 et 19e siècles, des couleurs chaleureuses, sans oublier les équipements modernes des salles de bain. C'est dans les détails que l'on reconnaît le standing des lieux. On a pris nos tableaux que nous avions déjà et on a cherché les couleurs qui pouvaient le mieux correspondre, ainsi que les tissus, parce que ce sont tous des tissus que nous avons récupérés. Donc on a essayé de faire une harmonie. En 2006, Claude et Nicole ont fait installer un spa dans l'une des dépendances de leur propriété, un équipement haut de gamme de plus en plus prisé des touristes. Ils sont très demandeurs de piscines et demandeurs d'espace détente, relax. Et d'ailleurs, en plus, ils demandent, et nous l'avons maintenant, une esthéticienne qui vient à domicile. Ce classement 5 épis est le couronnement de 25 ans de travail pour Claude et Nicole. Seules 15 maisons d'hôtes ont atteint ce niveau d'excellence en France. Pour preuve, le domaine affiche 50% d'occupation toute l'année, quand les maisons d'hôtes auvergnates tournent à 30%. On a des clients qui sont partis ce matin, ils ont des difficultés à partir. Ils restent encore, ils reposent encore des questions, et on est bien, et on revient. On sent vraiment chez eux l'envie de trouver quelque chose qui est exceptionnel. Avec des prix compris entre 130 et 200 euros la chambre, les tarifs sont à la hauteur des prestations proposées. Une rente que Claude et Nicole utilisent pour entretenir et valoriser leur patrimoine.